Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une paire de baskets que j'ai achetées avant-hier, je crois. J'ai acheté deux paires de la même marque, Fila. Vous connaissez forcément la marque italienne Fila. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire ces deux vidéos très courtes. Et après, je serai obligée de sortir, faire les courses et tout. Malgré la canicule énorme, aujourd'hui, il fait chez nous 41 degrés. Donc, c'est le sixième jour de la canicule extrême. Mais bon, revenons à nos. Je vais couper ces étiquettes tout de suite et je vais montrer, je vais mettre ces baskets couleur beurre. Alors, couleur absolument tendance cette saison en tissu, donc les baskets pour l'été. Et j'ai une autre paire, mais les autres ne sont pas tellement pour l'été, mais vous voyez. Donc, vous n'êtes pas habitué à me voir en basket. Je crois que c'est la première fois que je montre cette marchandise, mais il faut du tout. Il faut changer de temps en temps. Et puis, comme avec ces températures telles quelles, j'ai porté les mules plates la semaine dernière, mais là, j'ai. La semaine prochaine, forcément, je vais porter ces baskets en tissu. Vous voyez le décalage. J'ai le pied bronzé jusque là. Et ici, c'était la sandale, les mules, je ne sais plus quoi. Et donc, bref, avec cette canicule, je suis obligé de laisser le climatiseur sans cesse allumé. Heureusement, il est très performant. Donc, dans la maison, je suis même obligée de mettre un jean, un pantalon ou un pull autrement. Voilà, donc il y a un décalage. Dans la maison, il fait 15 et dehors, il fait 41. Et dans la rue, il fait même 50. Donc, on a vraiment une vague de chaleur extrême, mais je supporte bien la canicule et ça ne me dérange pas. Et ça ne m'a pas évidemment empêché de faire les courses et de sortir. Et ça y est. Donc, je remontre les baskets. Oui, est-ce que ça peut. Un tissu, quelques beige spécifiques, la nuance, comme j'ai déjà dit, la nuance beurre, vous voyez ce que ça donne. Donc, avec les chaussettes, évidemment, parce que là, je ne pourrais pas, bien sûr, les porter seules, ça pourrait faire vraiment. Avec la sueur, ça va pas être très agréable. Mais pourtant, ça me plaît, je les trouve assez pratiques, confortables. J'aime bien la couleur. Et j'ai déjà une paire de baskets le même, en bleu marine. Ils sont très résistants, ils m'ont duré quasiment pendant un an. Et donc, la marque italienne Fila est absolument imbattable. Donc, j'ai constaté qu'ils fabriquent les baskets féminines et souvent avec quelques petits détails. Paillettes, strass, couleurs, etc. Ce qui féminise un peu, tant soit peu, ces chaussures. Principalement
masculine, n'est-ce pas? Donc, c'est la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vais montrer également une paire d'autres baskets également de marque Fila. Bonne journée.